Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit. Oh Jésus, Jésus oh merveilleux, précieux sauveur, Jésus rédempteur, mon avocat, mon avocat. Jésus béni soit. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom. Précieux sauveur, Jésus oh merveilleux. Toi mon avocat, Jésus super, ma vie de refuge. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus. Jésus béni soit ton nom. Jésus oh merveilleux. Oh Jésus, Jésus suprême. Sois adoré, sois adoré. Alléluia. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement partout où vous nous suivez. Est-ce que les bonnes choses du ciel puissent vous poursuivre partout où vous êtes? Et que les requêtes de votre cœur puissent être à jamais répondues en ce matin. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils enfin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3 verset 14
et jusqu'au verset 17. Petit Nanzila Kumina Samboy. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Yamba Luzingu Yamakulu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole alors que nous allons lire encore dans les livres d'Apocalypse chapitre 10. Nous allons commencer depuis le verset 1. Je viens notre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé du nuage de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand ils criaient, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne les crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Juste une petite prière. Seigneur notre Dieu, nous voudrions te remettre encore une fois ce culte de ce matin et tout en te demandant que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que tout esprit qui n'aime pas la parole, nous le chassons d'aller dans des lieux arides. Règne en maître absolu et prends le contrôle de tout homicide. Même s'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, dont son culte n'est pas agréable pour toi ce matin, laisse que le Saint-Esprit aille au-delà de ses faiblesses pour qu'il n'y ait pas d'accent parmi nous. Au reste, Seigneur Jésus, béni sois-tu, loué sois-tu pour tout ce que tu feras. Au nom du Seigneur, et sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Okay, vous pouvez vous asseoir. Continuons toujours à parler sur car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. À nos frères et sœurs de lire quelque chose là où Frère Branham parle que ce jour-là, quand Dieu a tué. Dimanche le 14-11-54. Eh bien, chaque homme ici aujourd'hui n'est pas obligé d'être jugé à la fin. Il peut être jugé ce matin s'il veut être jugé. Or, des dispositions doivent être prises pour le jugement. Eh bien, puisse Dieu, pour amener Adam et Ève dans sa présence, a dû prendre des dispositions. Eh bien, qu'a-t-il fait?
Si vous ne croyez pas dans la grâce, la grâce a pourvu à des dispositions. Oh, combien je me sens heureux pour cela. La grâce a pourvu à des dispositions. La grâce, c'est l'amour. Dieu a tellement aimé ces créatures déchues qu'il a pourvu à des dispositions pour qu'ils puissent se tenir dans sa présence. Avant le jugement, Dieu est allé tuer des brebis ou des animaux. Il les a revêtus de leur peau et le sang a été d'abord versé avant le jugement. C'est là le jugement venait par le sang. Bien sûr, et ensuite il a répandu le sang de l'innocent pour couvrir la culpabilité du coupable. Vous voyez comme Frère Branham l'a dit lui-même, Dieu a tué des animaux et il a tué des brebis parce que c'était difficile de prendre un seul agneau et de vêtir deux personnes. Je ne pense pas que Dieu a vêtu Ève d'une jupe courte, parce que s'il avait vêtu Ève d'une jupe courte, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne peut pas condamner les filles avec les jupes courtes aujourd'hui. Mais s'il les condamne, c'est parce que dans sa nature, il n'aime pas les jupes courtes. Il a vêtu l'homme comme un homme. Et il a vêtu Ève comme une femme. Et avec cela, il a tué beaucoup d'agneaux. C'est vrai. Et ici, c'est le prophète qui parle. Donc, nous voulons dire que l'amour de Dieu a pourvu des brebis ou des animaux afin que Dieu puisse vêtir Adam et Ève. Pasteur Life, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire si ce n'est lire ce que le prophète a dit et que celui qui est croyant du message est censé simplement dire un amen. Parce que nous, le prophète, Dieu a pensé, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et nous nous croyons, et cela règle la question. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours avec ce bout de verset, mais accomplissant une grande œuvre. Frère Branham dit ceci, il dit ceci dans la prédication, le douleur de l'enfantement prêché le 24 janvier 65. Juste ce petit verset de Jean 3:16. Maintenant, allons voir une autre chose. Juste comme petite preuve, je pense qu'une des plus belles fleurs, chacun a son avis là-dessus. Mais moi, je trouve que la plus belle fleur que j'ai jamais vue, pratiquement, c'est là dans l'Est. Notre liste de temps. Combien ont déjà vu un lys de temps? Oh, à mon avis, il n'y a vraiment rien qui soit comparable. Mais avez-vous remarqué ce qu'il a fallu à ces lys de temps? Je pense à ce que Jésus a dit. Considérez les lys. Comme ils travaillent et filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. En effet, la gloire de Salomon et ses vêtements, tout ça, c'était l'artificiel. Mais le lys dans sa beauté, c'est la vie qui fait sa beauté. Et non pas un phare artificiel. Non pas les minda phares, c'est-à-dire les mascaras, les poudres, les trucs comme ça là. Une peinture artificielle. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tous ces verres. Comme aujourd'hui, il y a même une certaine manière dont les sœurs ont trouvé. Parfois, ils mettent le vernis blanc.
Et ils nous disent qu'il n'y a pas de mal en ça. Des vernis blancs. Frère, l'hélice n'a pas besoin d'artificiel. Il sort dans la beauté alors que dans cette beauté, il n'y a rien d'ajout. Voilà pourquoi la Bible dit que l'hélice est plus jolie que même la tenue de Salomon. Parce que dans la tenue de Salomon, il y a eu des ajouts. Il y a eu de l'or, il y a eu de ceci, il y a eu de diamants, c'est des ajouts. Mais l'hélice n'a pas besoin d'ajouts. L'hélice de la vallée, bien sûr. Il sort parfois dans la boue. Mais il monte dans la beauté du Seigneur. Comme il en est de nos sœurs. Ils ne mettent pas ces choses. Parfois même c'est malheureux de voir des sœurs avec des lèvres qui brillent. Vous vous posez la question, ça c'est quoi? Ils mettent des mascaras. Quand nous avions cru, ces choses-là n'y étaient pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, la fleur d'hélice a commencé à faire recours aux choses du dehors. Et c'est malheureux. Écoutez Branham. Considérez l'hélice comme il travaille. Et file cependant. Je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. En effet, la gloire de Salomon et ses vêtements, tout ça c'était artificiel. Qu'un croyant dise un amen. Mais l'hélice, dans sa beauté, c'est la vie qui fait sa beauté. Et non un phare artificiel. Une peinture artificielle. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tous ces verres. Vous avez des grands cils. Qui dépassent comme ça. Et toute cette manucure. Ou non pas. Je confonds ces histoires-là. Mais tout ça, c'est sur votre visage pour vous embellir. La beauté se reflète dans les œuvres. Si vous ajoutez un peu de acte 2, 4, et si vous mélangez tout cela ensemble avec Jean 3, 16, amen. Les mascaras d'aujourd'hui. Jean 3, 16. Ça dépassera tout ce que le Max Factor a jamais essayé de faire. Voyez, votre mari vous aimera davantage. Tout le monde aussi. Et Dieu aussi. J'en suis sûr. Prenez un peu de acte 2. Mélangez cela avec Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tellement aimé que même le produit de Max Factor, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans ma vie? Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, une sœur pure, naturelle, bien habillée, attirera le regard du monde plus que les païens. Parce que tu es inhabituel. Voilà pourquoi beaucoup de païens dérangent nos sœurs bien habillées. Ils ont leurs filles bien avec des maquillages. Pourquoi ils ne suivent pas ces femmes-là? Tu iras. Ta beauté c'est quoi? Mascara Jean 3, 16. Poudre Jean 3, 16. Alléluia. Alléluia. Rouge à lèvres Jean 3, 16. Rouge à lèvres Jean 3, 16. Ah oui,
Comment tu es très joli comme ça? Je m'habille. Jean 3:16. Je mets. Jean 3:16. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'un jour un frère était venu me voir. Il dit, pasteur, ta peau là. Quelle est l'huile que tu mets? Allez demander même à mes enfants là-bas. Je ne mets aucune huile sur mon corps. Mais un peu de Jean 3:16. Ça fait que le visage brille. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le Saint-Esprit à l'intérieur fait illuminer le visage. Voyez, même quand quelqu'un tombe dans la disgrâce, il perd même sa beauté. Il perd même son être. Si vous aviez un frère dans l'église, s'il tombe dans le péché, vous allez voir qu'il a rouillé. Le péché rouille. Le péché amène la saleté. Gloire à Dieu. Jean 3:16. Produit de beauté. J'aimerais que nos soeurs disent un amen. Jean 3:16. Produit de beauté. Alléluia. Comment communier? Prêché le 9 octobre 1955. Paragraphe 30, Branham dit. À la barre du jugement. Vous verrez cela être mis au clair. Ce taureau m'a regardé. Pendant quelques minutes. Il s'est retourné. Il s'est approché. Il s'est couché. Et je me suis tenu là. Les larmes me coulant sur les joues. J'ai marché à 5 pieds. 1,5 mètre de ce taureau. Il ne m'a même pas retourné sa tête. Pour me regarder. Pourquoi? Au lieu de le haïr, je l'ai aimé. L'amour conquérera tout. C'est tout. C'est vrai. C'est ce qui a conquis mon cœur. Quand je suis que Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son fils unique, afin que je ne puisse pas périr. Quand je suis que j'étais né dans ce monde un pécheur et que je périssais, Dieu m'a aimé au point qu'il a donné son fils pour racheter ma vie. Et alors je ne pouvais plus haïr. Je devais aimer. C'est ce qui produit ces résultats. Qu'est-ce qui a arrêté le taureau? Jean 3:16. Qu'est-ce qui a arrêté les abeilles? Jean 3:16. Un petit verset. Une grande œuvre. Alléluia. Alléluia. Voyez, frère, madame dit, j'ai donné au taureau ce que Christ m'a donné. C'est comme ça qu'un poète a chanté. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Oui, nous donnons ce que lui nous a donné. En ce moment-là, nous-mêmes, nous devenons. Dieu a tant aimé le monde. Oh, je vais monter un peu fort. Attachez vos ceintures. Nous-mêmes, nous devenons le don de Dieu pour l'humanité. Dieu Jésus était un don pour le salut. Mais permettez-moi de vous dire, pour que le monde soit aujourd'hui guéri, il faut de nouveau que nous aussi nous puissions dire, Dieu a tellement aimé Rouge-Gorge qu'il leur a donné le pasteur Lifoko. Dieu a tellement aimé l'église universelle qu'il leur a donné. Frère Branham dit, quand on parle de donner, il s'agit ici du don.
Dikabu. Hey, my. Hey, amen. Je voudrais lire quelque chose. Parce que je sais que quand je soulève ce genre de choses, il y a des gens qui sont en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Il commence à changer les choses. Non. Oh! Permettez-moi de lire Branham. Que le prophète parle. Que quelqu'un dise, Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Et moi, je crois la parole. C'est la règle la question. Je vous dis, pour que le salut ait lieu, il faut un don. Sans don, pas de salut. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Paragraphe 71. Eh bien, si vous voyez que l'église est dans l'erreur, vous êtes, peu importe, si que quelqu'un répète après, si vous aimez l'église et que vous soyez Christ, Christ a aimé Zolaka l'église et a donné Yandi sa vie Yandi pour elle. Samna que quelqu'un dise, hey, nous sommes censés faire la même chose. Quoi? Christ a aimé l'église. Il s'est donné. Nous aussi, si nous aimons l'église, nous sommes censés faire la même chose. Que le frère Delphin devienne un don pour changer l'église. Voilà pourquoi quand il n'est pas là, ça ne marche pas. Il est un don pour changer l'église dans le bon sens. Parce qu'il y a des dons aussi qui nous dérangent. Il y a des gens, quand vous les voyez, ça vous dérange. Ça enlève votre joie. Est-ce que nous aussi, nous pouvons nous donner? Est-ce qu'on peut se donner? Les livres de Galates. Beaucoup y a Galates. Parce que les dénominationnels aussi parfois nous suivent. Il faut quoi dire qu'on doit mourir? Pour sauver les autres frères. Écoutez la Bible. Galates 2:20. Galates Paul dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs pour que je sois un don, que je puisse dire à Rouge-Gorge, Dieu a tant aimé Rouge-Gorge. Il a tant aimé Lys-Tabernacle. Il leur a donné un frère. Du nom de l'Ifoko Simon-Pierre. Il faut être crucifié pour dire que je suis un don. Parce que quand Dieu nous a donné le don Jésus, c'était par la mort à la croix. Et aujourd'hui, je ne peux pas prêcher, être une bénédiction pour mes frères, si je n'ai pas crucifié mes privilèges, ma vie, tout ce qu'un homme peut avoir comme droit de l'homme, je suis
censé parfois m'enfermer. Alors que je suis ce que je suis, je peux sortir et partir, être dans des bars comme les autres, coucher avec les femmes comme les autres. Mais comme je sais que je suis un don pour le peuple, que sans moi, il est parfois difficile que Dieu utilise un canal pour bénir son peuple. Qu'est-ce que je fais? Je me crucifie. Je me crucifie. Au milieu de la nuit, pendant que les autres dorment, moi je dois passer par la crucifixion. Je dois me réveiller et je dois prier. Pendant que la brebis dort, Seigneur, bénis tel frère, soutiens-le, bénis-le. Frère, sans sacrifice, sans don, il n'y a pas la vie. Tu es jeune. En tant que jeune, tu as des droits. C'est masturbé. Un droit. Si tu veux le faire. Mais pourquoi tu veux plaire à Dieu? Pourquoi tu veux être frère du pasteur Life? Pourquoi tu veux être brebis de Life? C'est parce que tu as crucifié les désirs de la chair. Je crois à la crucifixion. Non pas de Jésus seulement, mais à la crucifixion de nos frères. Tu dois être crucifié. Tu dois mourir en soi pour que les autres reçoivent quelque chose. Que quelqu'un me donne un amen. Quand on arrive à mourir, il y a moins d'amen. C'est cela aussi. Ce jour-là, la croix, Jésus n'est pas mort seul. Il fut crucifié avec des voleurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et celui de droite a dit: Seigneur, nous nous méritons d'être ici. Mais toi, tu ne le mérites pas. Jésus n'est pas allé au ciel seul. Celui qui a été crucifié avec lui est allé au ciel avec lui. Tout prédicateur doit passer par la crucifixion pour plaire à son église. Tout frère doit passer par la mort à soi-même pour être bien au Seigneur. Sans mort, il n'y a pas de don. Sans don, il n'y a pas le salut. Sans le salut, il n'y a pas la vie éternelle. Frère Branham dit, il dit ceci: sans la mort, il n'y a pas de don. Je vais commencer au plus bas. Savez-vous qu'un vrai chrétien est un don de Dieu? Il est écrit: même si nous perdons des mères, des frères, des sœurs, Dieu nous donnera des frères, des sœurs, des mères et des pères. Frère Branham dit du verbe donner, parce que nos frères sont des dons. Quel est le macabre? Un bon frère est un don de la part de Dieu. Parce qu'il est écrit: les donateurs de tous les dons excellents. Ça veut dire Dieu ne peut pas nous donner un faux frère. Un faux frère vient de la part du diable. Et tu es un don. Dieu a tant aimé qu'il m'a donné Delphin. Maintenant, si Delphin commence à me critiquer, ce n'est plus un frère. Alléluia. Un frère ne critique pas son frère parce qu'il est l'expression de l'amour de Dieu. J'aime
Dieu a aimé l'Ifoko. Voilà pourquoi il lui a donné une église. Qui malheureusement, à l'intérieur aussi, il y a des agents du diable. Mais un frère ne critique pas son frère. Frère Benami, si tu aimes l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mourir et te donner comme Christ a tant aimé les hommes. Comme Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Nos frères sont dedans. Quel macabou? Delphin. Delphin. Don. Dikabou. Life. Life. Don. Dikabou. Rouge gorge. Rouge gorge. Don. Dikabou. Lisse. Lisse. Don. Dikabou. Tous. Paulioso. Et don. Pas macabou. Est-ce que je peux entendre un amen? Donne-moi l'aide à quoi, amen. Là où tu es dit, je suis un don. Singe que le toit te mouquet le dikabou. Amen. Écoutez, frère. Benekouapangi. Le don. Dikabou. C'est la récompense d'un amour éternel de Dieu. Yakamou sen de yaluzola mankululu yazambi. Parce que quand Dieu aime. Ntakuzambi zola. La conséquence. Ndandulu. C'est qu'il donne. Yakadon pesaka. Amen. Le don Dikabou est le résultat de son amour. Comment Dieu peut m'aimer et m'envoyer un frère critiqueur qui chaque fois quand je suis là, je fais même l'attention à cause de lui. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Dieu qui me l'a donné? Non. Mais... je dis chaque frère. Vrai frère. Ce sont de. Ils sont de don. Bamakabu. Et chaque don trouve toujours leur place. Tu dois savoir qu'est-ce que je suis dans cette église. Pourquoi Dieu a voulu que je sois dans cette église? Quelle est ma place dans cette église? La femme que Dieu t'a donnée. Après le salut, Dieu t'a donné un don. La femme que tu as est un don. Et le don, c'est le résultat de l'amour. Si Dieu t'aime, vous devenez un don. Est-ce que je peux entendre un amen? Tous les frères sont de dons. Écoutez la manifestation de ta résurrection aujourd'hui. Prêchez le 9-8-54 le soir. Frère Banamé dit, il se peut que certains parmi vous ici ne croient pas dans la guérison divine. Si vous ne croyez pas, je ne vois pas comment vous pouvez croire au Seigneur Jésus sans croire cela. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre que nous avons été guéris. Et la guérison divine est un attribut de sa mort. Le salut est un attribut de sa mort. Et tout ce pourquoi il est mort, chaque chrétien ce soir a cela gratuitement en acceptant cela. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est ça la voie originelle. Mais pensez à notre aimable Père. Si ses enfants n'arrivent pas à croire la parole, si ses enfants n'arrive pas à croire sa parole, que quelqu'un dise deuxième possibilité. Si les enfants n'arrivent pas à croire, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, alors il donne des dons à l'église. Si vous ne pouvez pas croire, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne le don. Parce que la loi de la vie éternelle, ce que Dieu a aimé, il donne. Si tu ne crois pas,
qu'il veut. Il fait quoi? Yande sala yiki. Il donne. Yande pesa. Quoi? Yiki. Un don. Dikabu mosi. Si tu ne crois pas là où tu es. Oui, qu'il avait ce qu'il veut. Il y a pas de problème. Y a que mambo yimbive. Mais si tu ne crois pas. Parce qu'elle attend que qu'il veut. Dieu va faire un miracle. Zambe sala ki mangu. N'est-ce pas miraculeux, frère? Y a que ki mangu pangi. Que Dieu puisse guérir quelqu'un qui ne croit pas. Zambi niaki samut ke kuki la kave. Dieu va faire entrer quelqu'un au ciel. Alors qu'il ne croit pas. Alors qu'on nous a été dit. Tout est possible. À celui qui croit. Mais Dieu crée une exception. Que tu croies, que tu ne croies pas. Que tu le veux ou tu ne le veux pas. Il te donne un don. Il dit ceci. Il donne des dons à l'église. Branham pose la question. Est-ce vrai? Certains parmi ces dons-là, parmi eux sont des dons différents. Écoutez maintenant les dons. Certains parmi eux sont docteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes. Donc si tu n'arrives pas à croire, Dieu envoie quoi? Le don. Quel don? Apôtre, pasteur, évangéliste, pour t'aider. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, même si je ne crois pas, je reconnais le don de Dieu. Le don de Dieu est une grâce. Le don de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Écoutez, frère, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu sais que nous sommes au temps de l'activation? Tu peux activer une sim. C'est là que tu peux entrer en contact avec ce que tu ne vois pas. Tu peux acheter un téléphone. Tu peux prendre la sim sur ton téléphone. Ça marque Airtel. Mais si tu n'actives pas la sim, la communication est fermée. Écoutez ce que Branham dit. Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 14. Et ma famille, ceux avec qui j'ai grandi. Ma femme aussi qui est assise là derrière. Le savent. Souvent à la maison, parfois j'entre en coma. Et en coma, comme on dirait dans une vision. Et le Seigneur dit des choses. Et cela sera exactement répété. Cela n'a jamais failli. Pas une seule fois. C'est un don de la part de Dieu. Et bien, c'est un moyen. Un don. C'est juste comme le don de chanter. Le don de faire n'importe quoi. Ce sont des dons. Et j'ai juste un don de m'abandonner au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. C'est vous qui mettez ce don en action. C'est vous qui appuyez l'activation. Je suis en train de prêcher. Mais si tu veux activer la sim, active-le maintenant. Dis que celui qui parle là, ce n'est pas seulement un muntu simple. Active la sim. Active sim. Active la sim. Active sim. Alléluia. Alléluia. Si tu actives la sim, tu vas entrer en contact avec les choses que tu ne vois pas. Les choses que tu as toujours demandées. Comment peut-on activer la sim? Je crois. Celui qui parle n'est pas un simple homme. C'est Dieu lui-même. William Branham. C'est la grande sim. C'est la grande sim. Aujourd'hui, pour entrer en contact avec le ciel, il faut activer la sim appelée William Branham. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, aucune
aucune maladie ne peut résister à ta prière. Que quelqu'un dise, moi je crois William Marion Branham. Je le crois comme serviteur de Dieu. Écoutez comment nous devons croire. Les appels et les dons de Dieu sont sans repentance. Paragraphe 24, il dit, et bien quelqu'un pourrait se demander, quand les gens arrivent dans la ligne, comment je connais leur maladie et leur pensée? Je ne les connais pas. Et vous pourriez venir à l'instant même, je ne le saurais pas. Je ne le saurais que quelques instants après. Répétez après moi. Si l'ange du Seigneur vient vers moi, c'est ça le don de Dieu. L'ange de Dieu incarné dans la chair d'un homme, le don de Dieu qui trouve leur place. William Branham est notre Dieu donné, le frère Dieu donné. C'est notre Nathanaël. Quel est notre Dieu donné? Je vais mettre maintenant le nom de Dieu donné. William Marion Brana. Dieu donné. Pasteur Life. Dieu donné. Mon frère Delphin. Amen. Ne me fais pas du mal. Amen. Parce que tu es un don. Je voudrais lire quelque chose. Je ne sais pas. Si quelqu'un ici va dire. S'il va croire. S'il va dire Amen. Amen. Ça fera beaucoup du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire je croirai? Non, je n'entends pas. Dis je croirai. Tout ce que le prophète a dit, je croirai. C'est vous. Ni beno. Excusez-moi de chercher la chose. C'est Frère Branham qui parle. Dieu a pourvu la guérison pour cette génération. Prêchez lundi le 19-7-54. Paragraphe 32. Vous avez dit quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez croire. Écoutez la citation. Est-ce que c'est projeté? Tout le monde peut le lire. Maintenant, j'espère qu'au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il viendra et me permettra ce soir à moi son serviteur inutile. Il utilisera mon corps que voici pour élever et va utiliser ma voix comme la sienne, comme un emblème pour vous. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, vit parmi nous ce soir. Puissiez-vous recevoir cela comme son sacrifice auquel il a été pourvu? Non pas moi, mais lui qui est ici, son sacrifice auquel il a été pourvu pour la maladie et les péchés ce soir. Il est présent, il est ici maintenant. Il y a un faucon qui a perdu les ailes. Non pas moi, mais lui. Mais qu'il utilise mon corps, qu'il élève mon corps enfin que par là je devienne l'emblème de Dieu, un sacrifice.
Déjà, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Laissez-moi lire. Si je donne deux ou trois, vous allez croire. Amen. Cobaye. Amen. La colonne de feu. Ditutatia. Prêchez le 9-5-53. Paragraphe 6. Quelqu'un en a parlé. Une fois je sortais d'une salle. Je me suis écroulé. Avant de quitter l'estrade. Vous dites. Bien. C'est absurde. Cet homme devait marcher. Frère Branham prêche. À la fin de la réunion. Après le discernement. Il pique une crise, il tombe. Les frères l'ont tenu. On nous dit que parfois quand il était dans cet état, il criait. Où est maman? Où est maman? Amenez-moi chez maman. Il est où maman? Elle est où? Elle est où? On le tenait. Laissez-moi. Laissez-moi. Il commençait à parler comme ça. Là. Comme un fou. Pendant qu'il a terminé le service, il s'est écroulé. Et les gens sont venus le soulever. On l'a amené, il ne devait pas marcher. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est absurde. Cet homme devait marcher. Oh, si seulement. Il savait. Si seulement vous saviez. Vous dites, oh frère Branham. Si Dieu me donne des visions. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon ami, vous ne comprenez pas. Daniel le prophète a eu une vision et il dit qu'il a eu des troubles dans sa tête pendant beaucoup de jours. Répétez après moi la citation. Vous êtes dans un autre monde. Vous devenez un cobaye. Vous êtes un sacrifice pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi. Tu sais, il y a un frère hier en Turquie qui m'a écrit en Kikongo. Il y en a pas. En Turquie, son écrit en Kikongo. C'est un Moulouba de la RDC. Il y a que Moulouba RDC. Il dit avec le frère Delphin, je vais bientôt parler le Kikongo. Il n'y a pas que Delphin, tu as mis comme quelque chose le Kikongo. Hey, 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 hey. Comment il est tombé? Il devient cobaye. Cobaye. Il devient sacrifice. Mon caillou. Pasteur Life, tu veux dire quoi? Que ce frère Branham qui était mort pour nous. Je n'ai pas dit ça. Mais non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai dit que Dieu utilise le corps de cet homme William Branham. Et quand Dieu entre, il rend ce corps inopérationnel. Il capte ses sens. Frère Branham est en ce moment-là. Je passe par une résurrection temporaire. Parce que deux esprits ne peuvent pas habiter dans un même corps. On risque de parler de la réincarnation. C'est pourquoi Jésus efface, tue ce qui est Branham. Et lui-même il entre. En ce moment Branham devient le don de Dieu pour l'église. Amen. Je reprends. Je voudrais que quelqu'un dise encore je crois. Il y a un frère qui m'a écrit du pasteur là, j'aime. Il y a pas vous qui me parlez, mais autres pasteurs. La manière que tu es en train de prêcher. Montinga qui n'a pas longa. Quand tu parles, juste un peu. N'attends que comment flotti. Tu laisses Branham. Il y a que pique Branham sosa. Tu parles. Il y a que sosa. S'il y a des doutes. Branham tembe. Tu laisses Branham. Il y a que pique Branham sosa. Comme ça, nous-mêmes qui écoutons. Il a ta bête, mais tu n'as quoi. Nous-mêmes, nous pouvons lire. Mais ton mot c'est la tanga. Et croire. Et qui qu'il a. Ou rejeter. Toku manga. Si on connaissait ce système depuis longtemps. On n'allait pas nous avoir.
en nous injuriant pour rien. En ce moment-là, ça serait injurier Branham. Répétons, Daniel, le prophète, eut une vision. Il a dit qu'il a eu des troubles dans sa tête pendant beaucoup de jours. Vous êtes dans un autre monde. Vous devenez un cobaye. Vous êtes un sacrifice pour l'humanité. C'est un peu dur quand les gens ne veulent pas croire le message. Mais cela a été ainsi à travers des âges. Que quelqu'un dise un amen. Nous avons toujours eu des incrédules. Nous devons toujours combattre cela. Tu as dit que frère Branham est sacrifice pour l'humanité. Oui. Et tu as dit quoi? Il faut aussi. Pour que je sois ce que je suis. Je suis devenu un sacrifice. Parce que je sais. Si moi il faut que je laisse le message. Beaucoup vont rétrograder. En ce moment-là, même si le péché peut venir, je me sacrifie. Non pas pour moi-même, mais pour tous ces frères qui croient que Lifoko est un fils de Dieu, est un serviteur de Dieu. Je ne veux pas les achoper. Et ce sacrifice va loin. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Parce que si un frère apprend, on a attrapé l'ifoque en train de boire. Remarquez la suite. Vous devenez un cobaye. Que quelqu'un me dise cobaye. Vous savez, frère, en grec, il y a un frère qui dit, j'aime bien quand tu commences à donner des mots. C'est mon travail, c'est tout ce que je fais. Méditer pour arriver à ça. En grec, on dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Dorun. Dorun. Dorun veut dire un sacrifice pour aider les autres à devenir mieux. Un sacrifice pour que les autres soient bien. Un sacrifice non pas pour soi-même, mais pour que mon frère soit bien. Pourquoi nous nous confinons ici? Il y a une chaleur intense où tu peux piquer même une crise. Mais je me fais Doron pour qu'un frère, peu importe sa maladie, soit guéri. Alléluia. On m'a appelé, c'était le jeudi. Ou bien vendredi, je ne me rappelle plus. Il y a une sorte de rouge-gorge. La femme de notre frère Freddy. Il a appelé la soeur Dorcas. Il n'arrivait pas à m'avoir. Après dès que j'ai ouvert le téléphone, j'ai vu ses appels. Je l'ai appelé, je dis qu'est-ce qu'il y a. Il dit, pasteur, ma femme présente tout. Fatigue générale, tout, elle n'arrive pas. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a la fatigue générale, tu prends tout le corps, tu commences à ne plus bien marcher, bien parler, tu commences à devenir comme quelqu'un qui veut tomber. C'est que déjà les démons là de Covid. Ils m'ont appelé. J'ai dit non, j'allais manger même, j'ai dit non. Pas quand même la sœur Leslie. C'est ça ce qu'on appelle le Doron. Est-ce qu'elle-même elle ne pouvait pas prier? Est-ce qu'elle-même ne peut pas prendre Marc 16? Mais quand tu n'arrives pas, tu envoies quoi? Un dor. J'ai
J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Mais la kumba Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La kumba Jésus-Christ. Je chasse des démons, peu importe son nom. On a big ça de peur. Oui, il vient, il n'a qu'à faire ses bagages. Sur place là, il doit partir. Au nom de Jésus-Christ. La kumba Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le samedi matin, le frère a appelé. Samedi la sous campagne mais Bokila. Il ne m'a pas, il a commencé à me chercher. Il a soifé mon appel. Ce matin, avant de venir, j'ai dit pasteur. Dès que tu as terminé, amen. La nuit, il a bien dormi. Le matin, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher comme si de rien n'était. Quoi? Doron. 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 Je voudrais te Doron pour tous les techniciens. Hein? Quand le déconfinement aura lieu. Dès que le déconfinement aura lieu, Yaman. Tout ce que tu as comme problème, que Dieu puisse t'exaucer. Parce que tu t'es sacrifié, tu t'es doronné. Alléluia. Amen. Tu es devenu cobaye pour un autre frère. Frère, là où tu es en brousse, même s'il n'y a pas beaucoup de frères, sois Doron. Vanda Doron. 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 Pour nous. Samuna Beto. Que j'apprenne que. Mokouati. Il y a un frère dans la forêt équatoriale. Il y a forêt équatoriale. Il y a un frère à Wesso. Il y a na Wesso. Qui ne trahit pas le message. Ça me donne du réconfort. Ya pesa mulu de Kangolo. À savoir qu'il y a beaucoup de frères. Qui s'accrochent au message. Que na kangamura sangwai. Frère, ça nous donne. De la stimulation. Vemadiaka. Vous devenez sacrifice pour l'humanité. J'ai parlé ici de cobayes. Que quelqu'un me dise life. Explique-nous. Qu'est-ce qu'on appelle un cobaye? Cobaye, c'est quoi? Cobaye, quel est yuki? Amen. Frère Branham dit. Pour faire un vaccin. Samla kun soit vaccin. Il faut quoi? Yalunga yuki. Ça commence toujours par les plus petites échelles jusqu'aux plus grandes échelles. On ne commence pas directement par piquer les hommes. Ils doivent commencer par quoi? Les animaux, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que ce n'est pas la même démarche? Dieu a commencé avec les agneaux et les brebis. Mais cela n'a pas marché. Hein? C'était à peu près. Pour qu'on puisse injecter quelque chose dans un homme, la meilleure unité de mesure, c'est quoi? Un homme. C'est pourquoi vous entendez les blancs. Ils veulent venir en Afrique. Non pas pour chercher les chimpanzés. Non pas pour chercher des gorilles. Mais pour chercher les bantous. Des hommes. Bantous. Des hommes. Parce que le vaccin sera donné aux hommes. Et tout ce qui concerne l'homme, on doit le piquer à qui? À l'homme. L'homme présentant le même échiquier génétique, le même métabolisme, les mêmes organes vitaux. Alléluia. Amen. Parce que si ça marche dans un homme, ça doit aussi marcher dans un autre. Tout d'abord, je voudrais vous parler de comment on fait les vaccins. Le vaccin dans les laboratoires, tel qu'il y a le Covid-19. Pour faire le vaccin, on prend le Covid. On prend le virus. On amène cela au laboratoire. On prend la partie mortelle. Le virus là qui tue les gens. On amène cela au laboratoire. Et au laboratoire. On commence à habiller. À oindre. Ce virus là. D'un antidote. Tout autour
du virus, virus, à l'intérieur du virus, virus, on met un médicament tout la manganga, qui, après une certaine incubation, il après quelques temps, on peut calculer soit 10 heures, 3 heures, 4 heures, dès qu'on te tire, on te pique, ça rentre dans ton corps, le virus là qui est entré en toi, virus subit une incubation après soit 12 heures, il meurt. En mourant, il partage tout ce qui est médicament qu'on avait mis en lui. S'il a été vêtu de médicaments, il va commencer pendant les 10 heures là à embrasser tous ses frères, virus qui sont dans le corps. Shalom frère. Shalom Pangi. Shalom virus. Shalom virus. Shalom. Quand toi tu reçois le shalom, tu ne sais pas que tu es aussi infecté par la chose que lui transporte. Tu es contaminé. Alléluia. Alléluia. Mais on commence toujours par une cellule morte, par le venin, par les microbes. Les microbes. Ne prenez pas ça comme un blasphème. Le vaccin d'aujourd'hui, Dieu a pris un mortel. Frère Branham. Le virus mortel. Virus. Parce qu'un homme n'a rien de bien en lui. Il est la mort pour commencer. Et il est la mort pour terminer. Mais derrière les mortels, Dieu a vêtu les mortels de la divinité à l'intérieur, à l'extérieur. Avec une période d'incubation éternelle. Maintenant, quand lui, le microbe, le virus mortel, vient, il t'embrasse. Toi-même, qui étais mortel, tu es contaminé par la divinité. Voilà le vaccin. Dieu utilise les germes mortels environnés de germes de vie. Ce que tu dis là, où est-ce que tu as eu ça? Frère Branham me dit dans la prédication, pourquoi paragraphe 14? Vous savez comment on fabrique un vaccin contre une maladie? Maintenant le prophète demanda, n'y a-t-il pas de baume? Ce qui signifie toxine. N'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? N'y a-t-il pas de médecin ou de toxine? Alors pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle en est la cause? C'est sans excuse. Maintenant, comment trouve-t-on la toxine? La première chose qu'on fait, la science fabrique. Écoutez le professeur Branham. Différentes sortes de produits chimiques, on les mélange au laboratoire et on soumet ces germes à un test. On y verse cette toxine. Et puis, on prend les bons germes et les mauvais germes. On les expérimente ensemble jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui tuera les mauvais germes. Ça, c'est Branham qui nous explique. Le savant Branham. Un mauvais germe avec le bon germe mélangé ensemble, on habille des produits qui peuvent apporter la guérison. Parce que si on ne peut pas prendre le microbe pour t'injecter, vous savez, même quand le serpent pique quelqu'un pour soigner, on récupère le venin. Le vaccin n'est rien d'autre que le venin mais amélioré, habillé par des produits qui tuent avec une période d'incubation. Dieu peut utiliser un mortel comme moi avec des hauts et des bas, et il m'habille de quelque chose de bien. Tu reçois ce qui est prêché. En ce moment-là, Dieu te
te fait la grâce. Que quelqu'un dise un amen. Activez le don de Dieu. Activez du Kabo Zambi. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Normalement, je devais déjà terminer, mais je parle toujours sous l'autorité du Saint-Esprit et de la parole révélée dans notre jour. Alléluia. Amen. Et quelqu'un me dit, moi je ne peux pas devenir un sacrifice. Ta famille, prêchez le 8 août 1961. Paragraphe 53. Je vais lire un peu vers le bas. Maintenant, voyez-vous, il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut, dans la présence de Dieu. Alors 3 jours après, cette barricade fut ôtée, car l'écriture était accomplie. Et son esprit est allé vers l'âme, et l'âme est allée vers le corps, et il est ressuscité. Il avait dit avant sa mort, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et bien pensez-y, chacun d'entre vous ici, à ce que je sache ce soir, est chrétien. Maintenant, suivez la chose qui est en vous maintenant. L'esprit qui est en vous maintenant, c'est le même esprit qui vous ressuscitera. Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Vous le faites maintenant même pour Christ. Et vous avez le pouvoir de la reprendre. Voyez-vous, vous avez le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de la reprendre. Quelqu'un peut dire amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade, écoutez, c'est vrai que le mercredi nous allons prier. Je vais lire quelque chose ici que nous avons l'habitude de lire chez nous à Rouge-Gorge. Mais nous aimerions le lire ici pour pouvoir donner de la force à quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, il m'écoute là. Est-ce qu'il croit que aujourd'hui Dieu a donné un doron? Doron. 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 Un sacrifice. Mukayulo mosi. Pas pour soi. Yakwenange mosi. Mais pour les autres. Quand c'est le kaka. Pour leur bien-être. Nan zingula ba yamote. Nous voudrions voir Jésus. Betazola tana Yesu. Même celui qui est à la maison, lis avec moi cette citation. Ça, c'est un kata. Ça, c'est un kata. Mukuku nyongo. Mukuku nyongo. Lisons. Votre trouble cardiaque. Soyez des spectateurs dans la chose. Votre trouble cardiaque. Trouble cardiaque. Monsieur, vous avez un trouble cardiaque. Trouble cardiaque. Cela vous a dérangé. Depuis bien longtemps. Poursuivez votre chemin. En vous réjouissant. En disant, merci Seigneur. Pour ta guérison. Ayez foi. Ne doutez pas. Soyez respectueux. Amen. Amen. Je monte un peu, je descends en bas là. Écoutez Branham. Je saute. Il dit, et j'ai dit.
Et je dois partir. Elle n'aime pas que je parte. Elle a peur que je voyage. Sur ce route que je vole dans les airs. Parce qu'elle m'aime. Mais tu sais, Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Est venu de la gloire. Et il est mort. Dans ce même but. Et Dieu. J'ai laissé ma petite fille ce soir. Pour venir prier pour toi. Si Jésus était ici, sur cette terre, dans un corps de chair, il viendrait prendre les petites filles comme toi et leur imposerait les mains et les bénirait. S'il faisait cela pour toi, tu serais guéri. N'est-ce pas, chérie? Crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham, étant donné que lui-même est allé au ciel, et que c'est Jésus qui a envoyé frère Branham pour que j'ai prié pour toi? Alléluia! Alléluia! Doron. Doron. Jésus est allé au ciel. En retour, il envoie quoi? Frère Branham. Car Dieu a tellement aimé l'église qu'il a envoyé frère Branham pour que nous soyons bien. Pour que tu sois bien. Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour ton bien-être. Alléluia. Alléluia. Que tu sois guéri. Que tu aies une bonne vie. Que tu ne sois pas rétrograde. Voilà le but de la présence du don de Dieu. Jamais reconnu dans le temps. Un plus grand que Salomon est ici. Si tu le crois, que ta vie change maintenant. Jésus, crois-tu que Jésus peut dire à frère Branham ce qui ne va pas chez toi? Et croiras-tu alors que c'est Jésus qui m'a envoyé prier pour toi? Tu souffres des reins, n'est-ce pas, chérie? Si c'est vrai, lève ta main. Alléluia. Alléluia. Doron. Doron. C'est comme ça que frère Branham dit. Nemoti na pang Branham etuba. En prêchant, je pouvais être millionnaire. Mais j'ai choisi d'être pauvre. Pour que vous soyez riche. Frère, refuse la pauvreté. Il y a des gens qui disent aujourd'hui. Mais pourquoi vous, le prédicateur qui êtes venu avec, après frère Branham, vous êtes bien. Vous êtes bien. Branham a dit. Moi, je suis né pauvre. Je mourrai pauvre. Mais vous, vous ne mourriez pas pauvre. Il dit moi-même, j'ai marché dans une vieille forme. Même mes enfants, j'aimerais qu'ils utilisent des jets. Frère, même naturellement, les enfants biologiques de frère Branham ne souffrent pas. Pourquoi voulez-vous que nous, ces enfants spirituels, qu'on souffre? Timaimbi, tu n'es pas un frère. Si tu étais un frère, tu serais un don. Et le don de Dieu, c'est de voir les autres être bien. C'est comme ça que Branham voulait que nous nous soyons bien. Sois bien spirituellement, physiquement, potentiellement, financièrement. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que Branham a dit? J'ai prié que Dieu vous bénisse. Physiquement. Matériellement. Financièrement. Et que tous ces dons vous avez besoin, que Dieu vous les donne. Hein? Dans le coronavirus là, il y a des frères qui n'ont rien. Vous, ça vous fait du bien? Ils n'ont rien même dans le congélateur.
Donc vous êtes dans la joie, quoi. Restez des pauvres. Restez des pauvres. Non. Non. Je ne parle pas d'être riche par la dîme des enfants de Dieu. Mais je parle de la bénédiction qui enrichit. Qui va au-delà des dîmes. Qui peut bénir un fils de Dieu. Qui peut lui donner là où il ne s'attend pas. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Il est allé au ciel. Mais en retour, il vous a envoyé. Frère Branham, j'ai présent. Quand il vous impose les mains, vous êtes guéri. La question est de savoir. Frère Branham n'est pas là. Mais il Amen. Est là. Comment il peut vous imposer les mains? C'est là où nous autres nous entrons. Que tu aimes, toi tu n'aimes pas, on va rentrer dans cette affaire. Ah. Oui. Qui a eu l'idée de construire le temple? David. Mais qui a construit le temple? Salomon était qui par rapport à David? Son fils. Qui est celui qui devait construire l'église du Nouveau Testament? Jésus. Mais qui a eu à construire l'église? Paul, Pierre et les autres. Qui sont les pierres et les autres? Les enfants de Jésus. Frère Branham est notre père dans la foi. Oui. Nous pouvons prier pour les gens. C'est la bénédiction du Fils. Parce que dans le Fils, le Père est un attribut. Dans le Père, le Fils est un attribut. Quand un garçon est un célibataire, son enfant est en lui. Alors le Fils est un attribut dans le Père. Mais quand l'enfant est né, on commence à retrouver. Regarde ses yeux, c'est comme son Père. Regarde le doigt, c'est comme son papa. Regarde, il parle comme son père. Il marche comme son père. Donc, dans le fils, le père devient un attribut. Quand nous nous prions, c'est frère Branham qui prie. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, que le Dieu de Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait de nous aujourd'hui des sacrifices pour l'humanité. Bénisse richement. Seigneur, je demande une grâce spéciale à mon frère et à ma soeur. Ce qu'il a écouté ce matin puisse le fortifier. S'il y a la maladie, je le déclare guéri. S'il y a un problème, que cela trouve solution. Surtout si quelqu'un a besoin d'une transformation, d'un changement, d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as appris que nous sommes des dons. Nous voulons faire attention. Serais-je un don pour mon pasteur? Serais-je un don pour ma femme? Serais-je un don pour mes enfants? Si je suis un don, mes enfants doivent être contents quand je suis là. Ma femme doit être dans la joie quand je suis là. Parce que Dieu me l'a donné pour que je sois d'orande pour son bien-être. L'amour ne vit pas pour ses propres intérêts. L'amour vit pour les autres. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Je te demande cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié que tous ceux qui nous suivent dans le monde disent alors Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. N'oublie pas que tu es un doron. Tu es un sacrifice pour l'humanité. Le fait que tu vives la privation, tu ne couches pas avec les femmes, tu es un sacrifice. Que le Dieu de William Branham, dans le nom et le Seigneur Jésus Christ, vous bénisse richement à tous et à toutes. Shalom. Shalom.